On s'est laissé la dernière fois pour revenir. Vous pouvez tout dire dans le chat si vous voulez dire salut YouTube. Est-ce que vous allez être en rediffusion sur YouTube? Fait que vous pouvez dire ce que vous voulez maintenant à partir de là. Vous pouvez dire salut. Je voudrais remercier mon chat, ma mère, mes parents, tout ça. Faites ce que vous voulez. Puis, quand tous les messages vont être passés, c'est là que je vais le couper. Couper. C'est une merde! Avec Dudu vient d'arriver, ben il faut que vous leur dites salut YouTube parce que ça ne fonctionnera pas. C'est une blague. Salut Dudu! Parce qu'en ce moment, parce que ce moment découle du fait que je juge, que tu juges mes vacances. C'est un fait aussi. C'est vrai, vrai travail d'équipe, hein. Bon, merci tout le monde, salut, salut YouTube, j'aime ça. Non, ça, ça va, c'était Lord of the Ring. Oui, Lord of the Ring! Lord of the Ring, faut couper. Quand il y a Dudu, mais Lord of the Ring, faut couper. Pas le choix, pas de monétisation. On se fait tout voler notre argent. Et pendant un instant... C'est pas si mal! Salut Romakota qui dit... Celui-là, il était pas voulu, hein. Je vous le dis, il était pas voulu. C'était pas voulu que le son monte. Il y a des fantômes dans ma capture. Romakota, il dit... Bien bonjour, commandant. Qu'est-ce que tu expliques? Attends. La flotte est en attente en orbite. Tous les canons sont opérationnels. Les canons Yamato est chargé. Attention, anomalie spectrale détectée correspondant de la plus proche fantôme. La prudence est recommandée. On va faire attention parce que le kakatu qui monte le son ici. Je commence à avoir vraiment peur du fait que ça monte le son. Je sais pas trop pourquoi. Ok, ça. Une chose en B. Et là, on devrait être correct. Il ne va pas avoir de problème côté son. Moi, je l'espère. La capture card est hantée, screaming. J'ai pas réussi à faire un bruit de flûte, malheureusement. Sur moi, c'est une température de pisse. Mais tu veux-tu savoir quelque chose, Dudu? Si tu regardes mon stream, la température a disparu. C'est fou, hein? Quand même pas pire, ça. Pas pire. Et en plus, on voit ma souris. Regardez, il regarde ma souris en ce moment. Ouais. C'est intéressant, ça, ouais. Ok, j'arrête. Concentrons-nous un peu. Arrêtons de faire n'importe quoi. La dernière fois, on s'est laissé quand qu'on était rendu dans ce fameux manoir. Et c'était la tour des détours. C'est tellement bien, j'aime ça. Et on était dans de l'eau à notre moulin. Donc, on se souvient bien qu'on avait été jusqu'à l'épuration des eaux. C'est pas exactement ça, mais on est allé au moulin à eau. On a fait recouler l'eau parce qu'il y avait un fatty phantom. Qui bloquait le conduit était bloqué, donc on pouvait pas avoir de l'eau. Et on a réussi à le faire, les égouts, c'est pas vraiment les égouts parce que c'est de l'eau, c'est vraiment le système de canalisation plutôt du manoir qui était complètement pété, fonctionnait pas. Et avec tout ça, ben on l'a réparé, parce qu'on est un plombier, bien sûr, on est capable de tout faire. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Luigi's Mansion 2 est le premier jeu que j'ai fini à 100%. Je vais me rentrer jusqu'au début de la partie, parce que je vois que vous êtes hype dans le chat. On va rentrer dans le début de la partie, je vais pouvoir parler avec vous par la suite. Ah Luigi, tu es prêt à entendre ce que j'ai découvert au sujet du fragment de la lune noire? J'ai du mal à détecter sa position avec l'occultographe. Et puis j'ai eu l'idée d'utiliser les fragments dont nous disposons déjà pour affiner les recherches. Bien entendu, c'était une idée de génie, comme on dit si bien ici. Une idée de génie des temps modernes. Il faut dire que j'en entendais pas moins de moi. L'occultographe peut maintenant nous fournir des résultats encore plus précis. Tu as remarqué l'arbre gigantesque près des tours. Le fragment de la lune noire se trouve au sommet. Et là, il nous reste encore à trouver comment l'atteindre. C'est un fait. On doit essayer de trouver comment y atteindre. Là, je vais souper, pas de problème, Nassi. Bon souper à toi, Sanjo, qui sait, on dirait qu'il fait tout noir toute la journée. J'ai rarement vu ça. Non, mais... Parce qu'il n'est pas encore passé au début exact, parce que les deux commandent en même temps. Romakota est bien prêt avec son Battle Cruiser. Tu vas devoir traverser le pont qui est maintenant accessible. Une fois de l'autre côté, entre dans l'arbre creux et trouve le moyen de te grimper jusqu'à la cime. Tu as tout compris, alors en route. Oh, je viens de remarquer, je suis plus sub. Tu sais quoi le truc pour être sub? Faut que t'ailles dans le way. Subway. Fait plaisir. C'était ma meilleure blague pour ce soir. Donc, à partir de maintenant, j'ai mis la barre à cet endroit. Je ne dépasserai pas point pour faire de meilleures blagues. Donc, si vous attendez un show d'humoriste ce soir, ben, il n'y en aura pas. Malheureusement. Living 5 minutes for that joke.
J'aurais fait clairement pareil, Killer. Clairement pareil. Donc, est-ce qu'il y a un petit truc qu'on peut trouver ici? Ah! Attendez, il y a de l'eau qui coule. On peut prendre le pot. Mon cerveau a ignoré cette blague par inadvertance. Je comprends, j'aurais fait exactement pareil. Même moi, je l'ai ignoré. Même moi, je sais même pas ce que j'ai dit juste avant. Hein. C'est un mystère. Mystère et boule de gomme, comme on dit si bien. Et c'est toi qui as la clé? Non, toi, t'as du cash. Et c'est une de vous deux qui a du... Une clé? Non, simplement du cash. Les plantes qui donnent du cash, on aime ça. Hein. Oh! Oh, ok. Petite chauve-souris à l'intérieur. Oh, t'es sérieux que je l'ai manqué? Merde, je manquais de l'argent. Du jardinage dans Luigi's Mansion? Oui, on est rendu là. On chasse pas les fantômes, on fait du jardinage. À quoi que ça sert de jouer à un jeu quand on peut juste faire du jardinage? C'est pas ça qu'on est supposé ouvrir? Oh, attends! Ah! Du jardinage, oui, exactement. Avec nos petits fantômes qui vont nous faire chier comme d'habitude. Oh! Je devais ouvrir le portail qui était ici, mais on va tout prendre les morceaux. Bah oui. Ah, non, ils sont gentils, ils en laissent quand même un. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. On garde ça en considération, ils sont tous partis vers la droite. Pourquoi? Mais Luigi voulait juste aller voir l'arbre. Comme il est triste, pour aucune raison. Catastrophe, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai rien demandé. Non, le globule, tu ne pourras pas ouvrir le portail au virement si tu ne retrouves pas ses ailes. As-tu vu où ces fantômes se sont... juste bloqués. As-tu vu? As-tu vu les fantômes? Mais ben, ne t'en fais pas, j'ai utilisé le cryptographe pour les retrouver. Attends une seconde. Ah, voilà, jette un œil à ta carte. Ah, ben, vu de la carte, vous la voyez pas. Mais moi, je la vois. Fait que c'est ça l'important. La vie, c'est d'acheter un jeu et de faire des side quests fuck la main quest. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, hein. Plus les side quests que la main quest, hein. C'est quand même un fait, Dudu. Il y a des gens qui aiment bien, genre, les genres de jeux, mettons, à la... Skyrim, Witcher, je peux t'en nommer plein qui vont juste faire toutes les side quests qui vont être vraiment plus intéressés par le reste du jeu que la trame principale du jeu. C'est quand même assez fou, hein. Fun fact, à la base, Mario était jardinier dans Super Mario Bros. Ce sont des... pas des tuyaux, mais des pots de fleurs à la base. Pour de vrai, je fais une rafale de 6 pieds. En regardant mon pick-up, je peux plus avancer. Checkez-moi ça, la rafale. Checkez-moi ça, la rafale de l'eau. Des plantes qui rapportent de l'argent, je me demande bien quel genre de plante que c'est. No wonder que Luigi voit des fantômes. Ouh là là. C'est pas exactement le genre de plante qu'on devrait prendre. Hein? Ouais. Ah, 3 fantômes. 2 qui sont partis à droite et 1 qui est parti vers le haut. Ah oui, il va falloir trouver ces graines. Hein? Il va falloir qu'on fasse un petit market sur le côté. Hein? Pas le choix. On est rendu là. Hein? Non, mais c'est un fun fact que je vais rajouter, sans joke. Je savais vraiment pas que c'était le cas. C'est quand même assez intéressant à savoir. Hein. Mais, est-ce que tu peux le plugger dans une conversation de famille? Non. Mais est-ce que ça reste quand même intéressant de le dire à quelqu'un? Ouais. Moi, je trouve ça cool. Allez, est-ce qu'ils vont sortir les deux en même temps? Oui! Check ça le combo! Paf, les deux. Bra! Si bien exécuté. Quelle belle transition. Ouh! Non, non. Je ne dis pas que des mensonges, non, je sais. Les mensonges, Yashar, tu les dis simplement quand tu mets mon nom à l'intérieur de la phrase. Si mon nom n'est pas à l'intérieur de la phrase, il n'y a aucun problème. Je sais que tu dis la vérité. Et dès que tu dis, ouais, Mad Bob est pas si fort que ça au jeu vidéo, difficulté de croire si c'est vraiment vrai. Pas trop sûr. Oui, c'est poussailleux. C'est poussailleux, certes. C'est poussiéreux. Ben oui, en même temps, il y a juste des fantômes. Oh, attends. Oh, salut. Ça va tourner, c'est sûr. Allô. Oh. Ok, fallait bien que ça tourne en plus. Oh, c'est la fameuse salle escalier en bois. Connaissez-vous cet emplacement sacré, l'escalier en bois? Imagine que dans ta maison, il y a un emplacement qui s'appelle vraiment genre l'escalier en bois. Tu vois cette pièce-là? L'escalier en bois.
avec des marches qui montent tout seul. J'aime ça quand même. Ça, je trouve ça cool, pareil. J'ai des jokes, mais ça reste quand même cool. Dépoussaille-moi ça. Madbub est intelligent, voilà. C'est une fausseté. Yoshar vient de dire ici. On le sait bien, on le sait bien. Il dit tout le temps les faussetés. Voyons le monde qui laisse traîner leur cache sur les étagères bien relax. Pas sur les étagères, sur les étagères de l'escalier en bois. Une pièce très connue par les jeux. Le fameux et le seul unique. On peut allumer les trois en même temps. Ok, ça fait allumer ça. Donc on peut logiquement, encore une fois, voler du cache dans les plantes. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut prendre ici, peut-être? Non plus. Mais on peut prendre le pot. Et merci Madbub, oui, ça fait plaisir. Hein? C'est l'escalier en bois, c'est un endroit digne des plus grands. Tout le monde devrait connaître. J'ai ma bonne place. Hey! Et là, on va pas arroser cette plante-ci, on va arroser celle-ci. Hop! Merci. Aussi, ça va donner du cash, j'espère. Oh, une gemme! Tant mieux. Tu as dit « connaissez-vous » et je finissais la phrase tout seul. « Connaissez-vous l'histoire de la petite mandarine? » Je suis plus capable. Tu sais que des fois, dans ma tête, je la chante, Dudu. Genre, je suis en train de travailler, puis à un moment donné, genre, je suis comme « connaissez-vous? » Ça finit plus. Attends, wait a minute. Oh! Intéressant, ça. Mais, il y a une plante qui est là. Fait que logiquement, ça serait ça qui serait à péter. Logiquement. Parce qu'on peut probablement arroser la plante qui est à l'intérieur. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'on peut prendre ici. On pourrait faire quelque chose de magiquement magique. Oh! Oh! Le petit schnappant qui a trouvé le petit emplacement caché. On vient de réaligner le tuyau en haut. Et là, vous allez voir, paf! L'eau va couler directement. Oh, on dit. Il y a aussi la version reprise. Pour de vrai, il y a une autre version qui a été reprise. Mais là, je vais pas tout de suite monter ici. Est-ce que je le fais tout de suite? Mais. Non. Connaissez-vous le Nus? Ok, j'avais lu au début, connaissez-vous le Not? Mais je suis comme, c'est pas la même chose. C'est vrai qu'en même temps... Ah merde. Pas de porte ici. Un piège. En même temps, on peut s'entendre que Burrito, il y a plein de sortes de chansons différentes. Hein. C'est les remix Burrito, là. Connaissez-vous? C'est le standard. Puis après, c'est connaissez-vous quelque chose qui rajoute. Donc là, vous voyez pas de votre côté, mais moi, je le vois. C'est qu'il y a différents emplacements qu'il y a au premier étage que je dois aller chercher. Dont un dans le jardin. Ah oui, il est parti par là-bas, lui, le petit cachetier. Oh non, il est vraiment pas parti de l'autre côté. Sérieux? Oh! Ça, c'est une tondeuse. Pouette. Non, pas en plus deux. Non, il y a juste un, ok, c'est bon. Revenons de la vie. Parfait. Et là, qu'est-ce qui est top, c'est d'essayer de dealer. Ok. Je peux pas juste les... Ah, c'est comme... Non. Oh, j'ai réussi à avoir les trois en même temps. Oh, c'est bien exécuté. Cette belle exécution que je viens de faire. En plus, on vient d'avoir des petits pots. Les petits pots vont servir à quelque chose. Ah, non. Lui, on va le tuer avant. On le tue, on va le capturer. On joue à un jeu Nintendo, on tue personne ici. Non, t'en vas pas, merci. Parfait. Burrito n'est pas intervenant social, il est DJ dans des résidences de personnes âgées. Je pensais que t'allais dire qu'il est DJ genre à temps perdu, genre tout seul dans son sous-sol. En espérant avoir genre des gens qui l'écoutent. Puis au final, c'est qu'il essaye toutes ses musiques sur nous. En gros, il se dit genre, ouais, je vais leur faire des belles musiques. Pendant qu'on joue à Civilization, mais au final, c'est pas des one-hit. Vraiment pas.
Ça peut pas être un one-hit wonder parce qu'il en fait plein aussi. Encore une fois, on utilise la petite tactique de arroser les plantes pour avoir du cash. Oh, non, gem. Waoui! 3 gemmes dans ce niveau. Quand même pas si mal jusqu'à maintenant. Du cash. Et là, ça va être du cash aussi, I guess. Ouais! Est-ce qu'on peut arracher les mauvaises herbes? Ouais, je peux même pas arracher les mauvaises herbes. Comme c'est plaisant, je vais aller juste mention. Non, je vais pas tout le faire. Donner une pièce à chaque fois, ça vaut pas vraiment la peine. Donc, il y avait une porte au nord qui était ici. Et ça m'aide où? Chambre du jardinier. Mais c'est chez nous, ça. Qu'est-ce qui est caché ici? Je ne change rien. Oh, très bien. Ah, il a changé de pièce. Ok. Est-ce que je peux arroser ça, par contre? Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est à faire ici. Il y a quelque chose à faire avec le lit. Le lit, j'ai l'impression qu'il n'est pas assez solide pour quelque chose. On va faire ça, non? Puis regardez ici, ça bouge. Le lit, ça a quelque chose, oui. On peut embarquer sur le lit. Yep, ça arrive. Ah, en dessous du lit, il avait l'air d'avoir quelque chose. Bon point, Dudu. Mais est-ce que c'est avec la l'eau qu'on doit arroser? Non. Je vais mettre ici. Hein? Ici. Oh. Je crois qu'il y avait une grenouille, merci. Le ballon sert à rien. On peut faire apparaître quelque chose ici? Non. Ouais, non, mais arroser, faut vraiment qu'il y ait comme un... Faut vraiment qu'il y ait comme une action. Faut pas les draps, petit tannant. Non, non, non. Faut pas ça. Ça, rien à faire non plus. Ok. Ah, ça, c'est le cimetière. Ouh. Ah oui, ils font vraiment comme assemblant qu'ils sont des morts. C'est parfait, ça. La propriété, Matt ne connaît pas ça, non. Oui, logiquement, la plante défonce le lit, c'est ce que je me dis aussi. Mais le problème, c'est que... Il faut vraiment que j'aille comme un bouton d'action. Là, il n'y en a pas. À moins que je puisse mettre le pot sur le lit. Non, je pense qu'il n'y a rien à faire ici pour le moment. Tu sais, je sens qu'on peut faire bouger des choses. Mais je pense que c'est pas tout de suite. On va regarder plus tard. Il est légèrement en retard avec son développement. Son développement de quoi? Son développement de son histoire? Connaissez-vous l'histoire? Tu as donc plus de facilité à la mettre à ta main. Ouh, vous parlez. Mais qu'est-ce que vous êtes en train d'expliquer? De faire comme... Ah ouais, ouais, c'est pas mal logique. On va retourner où qu'on était dans le laboratoire de botanique. On peut monter ces petits escaliers. Chambre de culture. C'est peut-être là qu'on va apprendre des choses et qu'on va devenir cultivé. Comme on dit si bien culturé. Hein. Bon, oui, ils foutent la marde. On va aller les voir. On va dire genre, arrêtez de foutre la... Oh, j'ai un gun à patate. Oh, attends, je peux voler ses lunettes. Yes. Oubliez pas dans le chat qu'est-ce que vous mettiez. Dans le chat. Les montes en question. Pas le choix. Fait que des fantômes avec des petites lunettes. Ok. Il y a quelque chose à faire avec le gun à patate. J'ai l'impression que c'est un gun à patate. Rien de caché ici. Oh, on peut descendre. Ok. Salut. Prendre direct. Hop. Voilà.
Donc on est rendu à 3 morceaux sur 5. Oups. Il nous en manque simplement 2 à trouver. Attends, c'est de savoir où. C'est vraiment comme un... Je pense que c'est vraiment ça le but. Hein. C'est comme une espèce de gun à patates. Je sais pas si c'est des patates, mais moi je vous dis que c'est des patates. Ok, là, c'est... Voilà, merci. Ouh! Oups! Si complexe à essayer de tirer juste dessus. Est-ce qu'on a le... Non, il nous en manque un qui était probablement dans le premier niveau. Il nous manquait. Merci pour tout le cash, bien apprécié. On peut aller à droite. J'aime bien me dire que c'est des patates aussi, mais je pense que c'est des patates. Hein. C'est sûrement un gun à patates. Tu sais, ça peut pas être genre un gun à... À autre chose que des pitiates. Ça, ça m'a fait des dégâts, merci. Ah, c'est parce que c'est un crapaud qui est là. Bon, c'est sûr et certain que c'est pas autre chose qu'un gun à patates parce que, il me semble que ça ferait trop mal sinon. Pas des frites. Pas un gun à frites. Il n'existe pas des guns à frites. Ok, va nous manquer. Conservatoire. Ça, j'aime ça, cet emplacement-là. Avec ça, on peut juste dire lâche pas la patate. Bah oui, hein. Oh, ils sortent de temps en temps, les tuyaux. Il fallait que je continue de le faire jouer, peut-être. Merde. Ouh! Je suis capable de prendre les deux en même temps. Ouais! Ah, c'est top des fois quand les deux ils sont en train de tirer dans des points, dans des directions opposées. Hein. Non. On va ressortir, I guess, right? T'sais, j'aurais pu faire semblant en étant là puis de jouer la mélodie, mais c'était pas exactement la même mélodie qu'il jouait. Et il arrête pas de sortir. Allô, la démonétisation, oui, exactement, c'est fait. Et rip. Ouh, j'ai réussi à l'avoir. Nice. Quand même tough de l'avoir direct. Il sort quand même comme vraiment pas pendant longtemps. Ah, je viens de comprendre quelle est la référence de ce que tu parlais. Non, mais arrêtez de faire des références sur des trucs obscurs que personne connaît. Non, mais la démonétisation, elle me dérange pas en dessous. Hein. Ouais, faudrait que je le coupe, mais tu sais, c'est parce qu'après, ça coupe genre pendant 5 secondes par rapport. Faudrait que j'enlève le son. Fait que tu sais, je me dis qu'au final, c'est pas si grave que ça. À un moment donné, si je vois que ça me dérange beaucoup, 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 je vais peut-être l'enlever, mais pour le moment, non. Tu sais, c'est comme le bruit de Jester aussi, il y en a un qui est démonétisé malheureusement, il y en a... Je pense qu'il y en a juste un qui l'est. Faudrait que je joue avec les autres. Ah, bonjour Salobin. Ça peut être dans l'intimité de quelqu'un hein, en regardant ici. Arrêtez de regarder, c'est un peu bizarre. Ouais, genre la chanson de Pokémon sur la rotonde du nom, mais ça dérange pas. Tu sais, aucun problème, toutes les musiques de jeu c'est vraiment pas un problème, c'est juste les trucs de film que c'est un problème. Voilà à gauche en premier. Comme le signe d'Ankeller, je pense que ça démonétise aussi, mais je suis pas sûr à 100%. Parce qu'il me semble que tu l'as fait plusieurs fois, puis ça n'a pas été un problème, mais je peux peut-être me tromper. Donc là, les deux portes ici sont barrées, donc je peux pas y aller. Faudrait que je revienne sur mes pas logiquement. Les deux portes sont barrées. Il n'y avait pas vraiment d'emplacement qui était à prendre par là-dessus. Bon, je vais avec les potes. Y a pas de problème. Bon, là, dis-tu. Donc, ça veut dire qu'il y a sûrement un fantôme qui est quelque part ici. Ah, ok, je vois qu'il est dans le vraiment plus bas. Ok, c'est bon. Je peux pas descendre par ici. J'ai vraiment pas le choix de reprendre la petite plante avec les escaliers qui étaient ici. Ouh! Oh, Luigi descend pas les escaliers, il glisse les escaliers, ils sont pas plus rapides. En gros, c'est dans le... en bas du rez-de-chaussée, donc dans le sous-sol que je dois me rendre.
extrêmement très bas que je me demande. Par où je fais pour m'en au sous-sol, par contre? Quelque chose ici? Non. C'est un peu bizarre que ce mur-là, j'ai l'impression qu'il est vraiment différent des autres. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose. Tu sais, il y a comme une trappe qui est là. C'est moi qui est fou. C'est pas le lit qui est là? L'autre côté qui est ici? Il me semble que oui. Ça, c'est la pièce avec le lit. Mais j'étais marre de me rendre au Badge Bobbit. T'as pas d'idée, mais c'est dans un bout le Badge Bobbit. Je sais même plus, moi, je suis rendu auquel en plus. Je pense que je suis rendu au. Si je regarde. Je pense que j'ai écrit tantôt quelque chose, right? Ça me tente même pas d'écrire. Je suis en train de chercher des vieux messages, mais je vais faire à un moment donné quand ça va apparaître. C'est dans un bout. Ben oui. C'est dans un bout. Ah! Fait que c'est ici! C'est ça que je parlais de l'autre côté. Que le mur qui est ici. Il y a sûrement quelque chose à faire avec le lit. Par contre. Ok. C'est cool. C'est... Oui. Logique. Ok, là, est-ce que c'est avec ça que je dois mettre de l'eau? Ah non, faut que je prenne un pot pour... Pourquoi cette logique? Il y en a pas. Pourquoi faut que je prenne un pot en même temps pour descendre? Allô, ma problème avec mon pot. Oh, il y a des lunettes, lui. Oui, je sais, mais pourquoi le mécanisme s'actionne? Oh. Ok, salut. Pourquoi le mécanisme s'actionne? Vu que je suis plus lourd, il n'y a pas de raison. Vu que j'étais assez lourd comme ça. Pardon, son. Et j'aime pas la petite plante qui est à côté qui pourrait me faire chier. Ok. Ça, c'est le dernier par contre. Merci. Fallait peser exactement 170 livres pour l'activer. Je pense que Luigi pèse plus que 170 livres. Surtout avec l'aspirateur qui est dans son dos, l'aspirateur doit peser genre 50 livres. Dans ma tête. Bravo, tu as retrouvé la dernière aile du virement du portail. Je vais te ramener ici pour que l'on cherche un moyen de les remettre à leur place. Pourquoi il voudrait que je revienne au laboratoire pour montrer exactement comment faire pour que ça puisse fonctionner de mettre les ailes après l'espèce de truc qui tourne? Il me semble que la chose la plus logique, c'est juste d'aller en emplacement, remettre les trucs, c'est tout, non? C'est pas plus logique? Je sais pas, il me semble que ça serait la chose logique, hein. Parce qu'il est fou, le prof. Parce qu'il est fou, il fait n'importe quoi. Je reviens, fantôme va passer. Je peux cacher ma caméra comme ça, personne va voir. Ouh. C'est le fantôme.